Hello la compagnie, bienvenue à tous sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve pour la suite du tournoi Tekken 6 avec évidemment le contre-la-montre. Hein. On continue donc notre épopée et je vous avais dit en fin d'épisode précédent, après le passage de Jack 6 qui a été très satisfaisant et qui je vous rappelle est le vainqueur de la partie survie de ce tournoi. Eh bien, forcément, était très bien placé pour remporter ce tournoi. Mais évidemment, les autres favoris ne sont pas encore passés. Et un favori de ce tournoi va passer immédiatement. Et il ne s'agit pas de n'importe quel. Alors certes, en classement Intertaken, elle est classée, c'est une femme, 16e. Donc, c'est pas la meilleure des meilleures. Mais en survie... Après le premier, nous allons faire passer donc la deuxième du classement. Il s'agit donc de Nina Williams, donc qui avait fini deuxième avec 17 victoires sans défaite. Et bien c'est le moment de passer dans le contre-la-montre, essayer de, et ben de faire mieux que Jack 6, qui a vraiment fait de son mieux pour faire le meilleur score possible. Et c'est un score plus qu'honorable. Mais Nina a encore la possibilité de mettre des bâtons dans les roues à Jack 6. Donc on va voir. En tout cas, si elle passe devant lui, si elle fait mieux que lui dans ce mode contre la montre, il y aura de grandes chances pour qu'elle remporte ce tournoi. Mais pour ça, il faut faire mieux que lui. Donc mieux que 6 minutes 3 secondes et 98 centièmes. Je vous rappelle que Alissa est toujours la meilleure en contre-la-montre avec 5 minutes 40 secondes et 55 centièmes. Donc si elle peut pas faire mieux qu'Alissa, le tout ce serait d'être entre les deux. Oh! Voilà. Et donc le record de Nina dans ce contre-la-montre est de 6 minutes 25 secondes et 28 centièmes. Donc la balle est dans le camp de Nina Williams. Évidemment, pour ceux qui sont premiers dans les classements Intertaken, comme Ogre et compagnie, favoriserait plus Nina en tant que championne de Tekken 6. Au lieu de Jack 6, puisque Jack 6 c'est son premier tournoi, donc forcément il serait eh bien, dans les premiers en compagnie des meilleurs, alors que Nina elle est quand même classée 16e, donc forcément un gain d'un tournoi lui ferait remonter drastiquement dans les classements, mais ne suffirait pas pour doubler les favoris qui sont déjà en place. Par rapport aux résultats des Tekken 3, des Tekken Tag, des Tekken 4, des Tekken 5. Référence à Ogre, notamment. En revanche, c'est Jack 6 qui gagne. Première participation. Donc bah forcément, vous rentrez immédiatement dans le panthéon des meilleurs en classement. Donc, les champions préféreraient voir Nina gagner. Par défaut. Nina 16e dans l'Intertaken aurait encore énormément de choses à faire pour rattraper, notamment Ogre, 2e de l'Intertaken. Bientôt premier. Au vu du cassage de figure de Devil Jean avec une performance très moyenne en survie. Oh.
Et arrête de te baisser, toi, putain. Roméo. C'est pas la première fois que Mokujin nous embête un petit peu. Alors, je passe encore les replays. Vous savez pourquoi. On ne va plus l'expliquer, je pense que vous avez assez bien compris depuis le début de ce contre-la-montre, hein, enfin de ce tournoi en contre-la-montre. Puisque mine de rien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnages qui sont passés. On a fait le quart. Get ready for the next battle. Mais donc du coup il en reste encore pas mal à faire passer dans ce tournoi. Round 1. Fight. Allez Nina, on compte sur toi. Je peux mettre toutes les chances de ton côté. Bien ça. Alors étonnant hein, qu'elle ait un record pareil, Nina, dans ce tournoi. Mais bon, comme d'habitude, hein, c'est trop arbitraire dans ce tournoi Tekken 6 pour critiquer des résultats pareils. Oh, genre. Genryu qui m'aura fait perdre un peu de temps pour la fin. Get ready for the next battle. Allez, j'ai un doute, on est au niveau 5. Face à Steve Fox, le fiston. Round 1. Fight. Allez. Ah, j'ai cru que le mur allait le buter, mais non. Ouh là là, il est vénère. Oh, il est vénère. Là. Alors, je suis pas rentré en mode rage, mais j'étais pas loin. Bon. On s'est pris quelques nions, mais ça va. On est encore en course. Pour essayer de battre Jack 6. Dans son record. Allez, 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 on y est. Pourquoi les persos sont chiants alors qu'il leur reste rien là? Putain. Allez, faut pas perdre de temps. Et Lars est à fond. Ok. Bon, ça va. Pareil que pour Steve, on se prend des nions, mais on perd pas de... On perd pas de round. Et c'est le plus important. Allez, c'est parti pour l'extra stage.
face à Nancy. Donc pour l'instant, aucun des combattants qui sont déjà passés ont réussi à gagner cet extra stage. Donc forcément, à le battre, cela nécessitera un sacré avantage pour vaincre ce tournoi, enfin cette discipline. Ok. Attention, parce que je fais reculer le... Ah putain, il atterrit sur moi. Et le... J'ai pas vu les barres de, vie qui lui restaient. Et le trou, par contre, quand il a sauté, a disparu. J'ai vu qu'il s'était rebouché tout seul. Donc je ne sais pas au bout de combien de temps ce trou s'en va. Mais bon, ce sera pas pour Nina encore, hein, cet extra stage remporté. Alors 5-0-4, ça va être compliqué hein, de battre Alyssa notamment. Allez, mais il reste encore un round face à Jin. Non. C'est pas bon. Bon, ça passe, mais Alyssa, normalement, a fini là. À ce stade de l'aventure, face à Azazel, qui, je vous rappelle déjà, avait fini ce contre-la-montre en 5 minutes 40 secondes et 55 centièmes. C'est à peu près le temps où on se trouve là, alors qu'on commence uniquement le boss final. Ouais, on a même dépassé de 5 secondes. Donc on peut encore battre Jaxis, mais ça va être compliqué. Hein. Très compliqué. Presque mission impossible. Ça y est, c'est fini. C'est terminé pour Nina face à Jaxis avec ses 6 minutes 03. Et je n'ai pas remporté même un seul round pour l'instant. Même par terre, j'arrive pas à le choper. Oh, genre. Alors là, je vais revoir le là il contre. Ah non, c'est lui qui me tape en premier. Bon là, ok. Là, ok, j'ai juste pas eu le temps de détendre ma jambe. Très bien. Bon bah voilà, hein, Nina, c'est terminé, c'est out. Elle ne pourra pas battre Jaxis puisqu'elle est juste derrière lui en survie et puis elle est derrière lui en contre-la-montre, donc pas... Oh putain, bon allez là, lâche-moi. Oh là là, je peux rien faire, perfect. Oh. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, je l'ai loupé. Encore une fois. Allez, on continue. Puis en plus, on se tape le chargement à chaque fois. Oh putain, quelle plaie, mais quelle plaie. Une attaque blast inflige des dégâts à un adversaire accroupi s'il ne la bloque pas. Sauf Azazel.
je tiens à préciser. Parce que lui, même en bloquant pas, les coups ne passent pas. Un coup sur trois passe à les coups. Ah! Ah! Oh non! Mais c'est pas vrai! Oh, mais qui me gaffe ce truc! Il crève! On te veut pas! Putain, mais... Oh non, je veux les protéger! Ouf! Un great pour ce round, mais bon, bah, il en a gagné un aussi, je rappelle. J'étais bien parti. Évidemment, voilà, en 2 secondes, il a rattrapé mon retard. Et là, la queue me touche. Et c'est bon. Et oui, c'était plutôt bien parti, mais malheureusement, Nina échoue. Comme d'habitude, face au gros tas. Voilà, 2,53. Donc ça me fait un total de 8 minutes 38. Et 16 centièmes. Elle est juste devant Bake. À 40 centièmes près. Quel gâchis. Bon, eh bien, Jaxis élimine une grande menace pour l'obtention du trophée Tekken 6. Allez, on continue avec Mokujin qui totalise un record de 6 minutes 17 secondes et 18 centièmes. Alors que Mokujin, je vous rappelle, a fait une prestation assez moyenne. 23e dans Tekken 6. Et est classé 29e au classement Intertekken. Donc on reste sur de la moyenne. Regarde, vu qu'il prend les attaques de tout le monde, en même temps, c'est moyen, ce qui est normal. Alors je ne sais même pas... Ok. J'ai trouvé... les attaques de Devil Jin. Ok, j'ai mis du temps à l'apercevoir, donc du coup bah je n'ai pas adapté les bonnes attaques dès le départ. Alors Raven, oh Jean. Eh, quand même, pour un niveau 1, il m'aura emmerdé. Notamment sur le deuxième round. Ouais. Allez, on continue. On continue l'ascension ou la déculottée, comme vous le souhaitez. Face à Marduk. Avec les attaques de Ling Xiaoyu. Qui pour l'instant réalise son meilleur début de tournoi, même si elle n'est pas encore passée au contre-la-montre. Ce qui est quand même qui est quand même assez punitif, hein, vous l'avez vu, donc on ne peut pas encore se prononcer. Alors, j'ai les attaques de Jin cette fois-ci. Voilà, pas le temps de niaiser, c'est bien Mokujin. Get ready for the next battle. Allez, on continue avec le troisième combat. Qui sera donc
face à qui? Face à Baekdusan. Alors, et j'ai les attaques de Anna Williams. Non. Ok. Alors, round 2, les attaques de Kuma ou de Flanda, comme vous voulez. Sauf que là, en plus, j'ai les grandes jambes. Oh, t'es chiant de bloquer, là. Oh! Évidemment, il me fait juste une chope. Putain! Bon. Et les attaques de Lei. Oh, emmerdeur! J'ai pas que ça à faire de m'occuper de toi. Sans blague. Fin de Xiao Yu débloqué. Allez, on continue. Pour ce stage numéro 4 face à Wang. Les papis sont de retour. Allez. Enfin, putain, ils ont une défense. Alors, les attaques de Feng Wei. Beaucoup mieux. Allez, on continue notre ascension. Pour l'instant, qui est en demi-teinte, même si je ne perds pas encore deux combats. Mais bon, j'ai quand même perdu un round. Allez, face à Roger Junior cette fois-ci. Et j'ai les attaques de qui, là? De Julia Chang. Non, c'est pas une chope que je voulais faire. Là, bon, ça va. On passe. Avec une garde basse. Je sais pas. C'est Paul. Putain, j'ai pas réussi à le distinguer. Et du coup, ça me met en porte-à-faux. C'est bon, ouf. Et ouais, du coup, quand vous connaissez pas les attaques, bah du coup, vous faites pas les... Vous ne faites pas les, bah, les enchaînements que vous connaissez, et vous pouvez, bah, du coup, perdre déjà du temps. Mais aussi, bah, des bons combos attitrés à mettre au personnage. C'est vrai que cette garde basse, un petit peu basse, je n'ai pas reconnu Paul au premier abord. Bon, j'ai failli faire une connerie, mais ça va. Bon, alors là, Christy Weddy, pas de problème. Ok. On passe. Et là, bah c'est Baekdusan. Oh, il se venge. Oh, il se venge. Il a pas aimé la déculottée du premier round. Putain, mais il arrive à lire mes attaques. C'est incroyable. Lâche-moi. Mais hé. Hey.
Oh, il est chiant là! Allez, casse-toi! Putain! Ah, putain, il a rien lâché, hein! J'ai failli encore laisser passer quelque chose, mais bon. C'est Ricrac, encore une fois, Mokujin. Alors, avec qui? Avec quelle technique de combat vais-je affronter Nancy MI847J? Azazel, c'est pareil, hein? On va. Enfin, c'est. Je vais changer à chaque round de technique de combat. Bon, là, il n'y en a qu'un, donc. Avec les attaques de Kuma. Non, j'aurais dû bloquer. Ah, c'est passé, dommage. Le trou. Dommage que je puisse pas le faire tomber dedans. Ce serait tellement parfait, ça. Alors, les coups de poing à propulseur. Et je l'ai eu. Mokujin est le premier à battre Nancy MI847J. Alors là, ça va être peut-être un sacré avantage. Ça va dépendre évidemment de Jin, mais surtout de Azazel. Et évidemment des techniques de combat que Mokujin va choisir. Alors ce sera Lei. Ce n'est pas celui que j'aurais choisi en premier, je dois vous avouer. Bon, ça passe. Et les attaques de Anna Williams, pareil, c'est pas celui que j'aurais choisi. Ah non, c'est Nina, je dis des conneries, pardon, excusez-moi. Oh putain, une chope. Ok, encore un great, décidément. Mokujin aime bien jouer avec le feu, mais ça passe pour l'instant. Alors, je n'ai pas regardé le chrono. J'étais beaucoup trop concentré. Mais bon, Mokujin, je vous rappelle quand même qu'il est classé 23e pour l'instant en survie. Mais qui là est quand même encore en course pour cette première place avec les attaques de Roger Junior. Aïe, dommage. Oh, t'es sérieux, putain. Bon, ça ne marchera pas. Alors, c'est les attaques de Brian, je vous ai pas dit. Allez, putain. C'est pas vrai! Oh! Alors, attendez, là, je veux voir, parce que là... Ah oui, j'ai frappé trop tôt. Malheureusement, et lui n'avait plus qu'à me foncer dedans, évidemment, comme il sait très bien le faire. Bon, bah du coup, ça laisse l'opportunité à Alyssa de repasser, enfin de garder sa première place. On verra ce qu'il va en être des autres. Alors, j'ai Wang. Oh les putains! Dégage! Je m'emmerde!
Et non, ça suffit pas, comme d'habitude. Yoshimitsu, donc. Oh, les vaches. Oh! J'ai cru que c'était bon. Ça me gave, ça me gave. Et pourtant, j'adore son thème à Azazel en musique. Mais vous le refaites tellement, vous perdez tellement dans ce stage que vous en apprenez à détester ce thème. Et c'est vraiment dommage. Mais vous réalisez quand même le gap qu'il y a entre Azazel et tous les autres boss de Tekken. Même avec Jinpachi, hein. Alors, j'ai les attaques de King. T'es sérieux? Allez, mais lâche-moi! Putain, mais quel casse-burne ce truc! Je sais même plus qui j'ai. Gadryu, je crois. Non. Attendez, je suis un peu perdu là. Je suis un peu perdu. Pousse. Non, là je attendez, j'avais un doute là sur l'identité de mon personnage, et j'avoue que ben forcément avec l'autre gros tas, j'ai pas le temps d'essayer de voir quelles sont les techniques. Donc c'est sûr que si je n'arrive pas à identifier la garde, je pars encore avec un désavantage de plus. Bon, là c'est Dragunov, ok. Putain, mais lâche-moi, bon sang! Y a pas une attaque que je peux faire! Sérieusement, mais putain, mais quel emmerdeur! Alors, les attaques de Miguel. Oh! Chiant ce truc alors! Et les attaques de. Putain, j'arrive pas. J'arrive pas à l'identifier. Marduk. Marduk qui nous aura pas réussi contre Azazel. Je vous rappelle, on a fait un abandon. Pourquoi il a réussi à me choper alors que j'ai bloqué? J'en sais rien. Et là, je l'ai eu. Bon, bah voilà, hein, l'avantage de Nancy n'aura pas été suffisant pour faire un bon score à cause de l'autre gros tas, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, 33 secondes, 16 secondes, en 50 secondes, bah, quand même. 37 secondes, 39, 41, 48 secondes au lieu d'une minute 30, 42 secondes, Jin. Et évidemment, l'autre gros tas, 3 minutes 18, évidemment. Ce qui me fait un total, donc, de 8 minutes 28. Il est devant Nina Williams. 8-28-06. Et ceci mettra un terme à cet épisode. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous avez vu, du coup, que, on a eu beaucoup de 8 minutes, là, de deux personnages dans les 8 minutes, avec 10 secondes d'intervalle. Donc, on verra ce que va donner le prochain passage avec les deux combattants suivants. Enfin, on espérait qu'il y en ait encore deux, quand même. Et moi, je vous dis à bientôt pour donc la suite du tournoi Tekken 6. Allez, salut à tous!